chaîne carbonée ramifiée. Dans une chaîne carbonée linéaire comme ici, un atome de carbone est soit lié à un seul autre atome de carbone, soit à deux. C'est le cas de celui-ci. Mais jamais à trois. Donc dans une chaîne carbonée ramifiée, un atome de carbone peut être lié à trois atomes de carbone. Voilà l'exemple. Ceci, c'est ce qu'on appelle une ramification. Toujours avec le carbone tétragonal, c'est-à-dire lié à quatre autres atomes. Celui-ci est lié à trois atomes d'hydrogène plus un atome de carbone. Celui-ci est relié à deux atomes d'hydrogène plus deux atomes de carbone, etc. Donc ceci est une chaîne carbonée ramifiée. Si on ne représentait que les atomes de carbone par souci de rapidité, cette chaîne linéaire a deux ramifications, une ici et une ici. Ce carbone-là est lié à trois autres atomes de carbone, celui-ci à trois autres atomes de carbone. Donc ça aussi, c'est une chaîne carbonée ramifiée, avec ramification.